Heureux tout le monde, et on repart pour la quête principale de Hogwarts Legacy, bien sûr. On est là. Allez à la salle sur la carte. On est en compagnie de Mathieu, bien sûr, encore. Qui va rejouer à Hogwarts Legacy cet après-midi, j'espère. Hein. Bien sûr. Hein. Je vais changer de style. Voilà, nouvel épisode, je change de style, nouveau stream, nouveau changeage de tenue. Mec, j'ai trouvé une tenue, gros. Aïe. Je te l'ai dit, la tenue hier, gros. Banger. Hein. Moi aussi, je suis en stibar, gros. T'es en stibar, toi? Ah, comment je monte à l'étage? Attendez, ma tenue des ça, comment on fait? Équipement. Et je vais cut le stream vers 14h, vers 16h, je veux dire. Pour appeler le dentiste. Starfula, il me répond cette fois. Tiens, on va enlever la cape et tenue, tu vois, et on va mettre une. Tu peux enlever ça? Ah oui! Ok. Petit côté prince. Oh là là. Un petit côté tenue comme ça, les gars. Est-ce que c'est pas stylé, ça? Bon, on va pas passer 15 heures à choisir une tenue. Le professeur Fig, il est là. Quel BG ce professeur Fig. Vous feriez bien de ne pas sous-estimer cette jeune personne. Son aptitude pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir. Et cela fait bien longtemps que j'enseigne. C'est une joie d'avoir un tel élément. Parfois, oui. Voilà. Les mots moteurs. J'ai reçu votre hibou. J'ai pu m'entretenir avec Lodgok, le gobelin dont je vous avais parlé. Et qu'avez-vous appris? Ranrok et lui étaient proches, mais ils se sont disputés. Pouvons-nous lui faire confiance? Je pense que oui. Il avait l'air sincère, et Sirona Ryan lui fait confiance. Très bien. Dans ce cas, nous aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrok? J'ai récupéré un homme volé qu'il espère rendre à Ranrok afin de regagner sa confiance. Je vois que vous n'avez pas chômé. Espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de Ranrok. Lodgok a dit que Ranrok cherchait quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Ce homme apportera peut-être des réponses. Ranrok recherche quelque chose. C'est ce que je craignais. J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château. Des gobelins et des sorciers, je crois. En fait, quand tu meurs dans Harry Potter, tu te transformes en mon château. Ancienne résidence, oui. C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve. Bon, il y a des mecs. Ils sont morts il y a 400 ans, gros. Ils sont dans des tableaux, là, en train de nous parler. Vous n'avez rien vu? Quand tu meurs, je pense que en fait, je suis resté caché. Je n'y suis passé que récemment et je n'ai reconnu aucune des voix que j'ai entendues. C'est comme dans Toy of God, tu mets une. Je suis resté hors de vue pour ne pas leur demander. Tu mets une sauvegarde. Dumbledore qui t'a dit, gros. Ta gueule, gros, c'est pas ça. Je dois vous informer que Victor Rockwood, votre descendant, est un mage noir de mèche avec Ranrok. Mon descendant? Un mage noir? Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rockwood. J'avais 10 000, je suis à 3 000 maintenant. La prochaine épreuve s'y trouve. Ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien, j'y vais de ce pas. Bonne chance. Alors je pense que... Pas de temps à perdre. Je vous rejoindrai au château de Rockwood. Je pense que c'est un sort. Genre qui crée une sauvegarde de toi dans un tableau. Qui a tes souvenirs d'avant la sauvegarde. Bah je pense que c'est ça, bon. C'est comme Tower of God, quoi. Et après qui est indépendant de toi. Tu vois ce que je veux dire, mon refeu? Mon refeu là. Bon, les laisse gauche, t'es créateur, putain. T'es pauvre, arrête d'acheter des créateurs, t'es pauvre. Mais je l'ai dit, gros, pour faire mes devoirs, gros.
Pour faire des devoirs, t'es obligé de payer. Mais gros, je t'ai dit, c'est pour ça que c'est tous des voleurs à Poudlard, gros, en vrai. Hein. C'est des voleurs, gros. Gros, c'est pour ça qu'à chaque quête, c'est gros, c'est quoi? Est-ce que tu veux pas me voler quelque chose, quoi, genre? C'est ça, les quêtes, gros. Non, non, genre, mais c'est surtout, genre, les mecs sont en mode... ah ouais, tu me prends de l'argent, bon... Moi, je t'en aurais pas pris, allez, ta gueule. Ils sont tous pauvres, gros. Quand tu demandes un petit supplément, genre à chaque fin de quête, ils sont en mode ah ouais, quand même. Bah oui, je crois que je vais faire ça gratuitement. Bah oui, t'aurais pu faire ça gratuitement. Hein. Jamais. Alors, faut pas que je fasse la merde. Oh, mais c'est moche, gros. C'est ça, je crois. Ah oui, voilà. Mais j'ai plus de... Oui, c'est vrai qu'il y a plus de... Eh ouais, j'ai plus rien. Toi, ça, on va te déce, toi, c'est bon. Laissez-vous retourner à de l'arpou. On dirait Poudlard. Poudlard, c'est banger, Poudlard, en vrai. Hein. Café banger aussi. Ah ouais, il me manque juste un sort à... Deux sorts à prendre, en sérieux. Voilà, j'ai mis des trucs où il y a des créasors, où il y a des pierres de lune qui sont faites périodiquement. On va y récupérer les matériaux sur nos animaux fantastiques. Allez jouer, bande de chiens. Bande de dogs. Ah oui, merde, ok. Il fallait que je sélectionne. Oh, c'est relou de ouf en vrai. De quoi 15 minutes ou rien? Attends, pousser une plante. Bah oui. C'est déjà à faire en attendant. Bah tu continues les 4 mois. Et on a obtenu les 3 plantes de convoi et les utiliser simultanément. Je vais en mettre une autre. Je pense que j'ai assez pour en mettre une autre table. Par contre, on peut pas enlever des trucs pour les amis. Si, c'est la prochaine sort. Quoi? Si t'as pas encore débloqué, c'est que tu veux le débloquer. Ah, c'est un sort? Ouais. Ah. Mais arrête de courir! Voilà, tiens, voilà, je t'ai tapé, voilà, je t'ai mis des sorts dessus, voilà. T'es content? Allez, c'est bon, équipe de sa mère, là. C'est vraiment les pires trucs, les mobs. Non, à un moment, elle nous dit qu'on peut enlever les trucs. Ah bah, c'est la fumée, quoi. Le sort qui. Genre une fumée, quoi. Ah oui, bien vu. Quand même bien vu, bien ouais. Bien vu, Jean-Louis. Tu lis l'histoire, mon ref, ou tu te branles les couilles dessus, en fait? Je lis Brand James, gros. Tu te les Brand James, alors, gros? Vider le pot. Cela me sera plus utile. C'est une métaphore, ça, mon ref? Chose à identifier. Hop. On va le mettre là. Pierre de Poudlard. Hop. Ah oui, c'est loin. Ah oui, bah. Ah non, c'est ça, c'est là. Et là-bas, son château. L'endroit semble être assez agréable. On y va de nuit parce que... Ah oui, très beau château. Par ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Le professeur Rockwood avait raison. Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Ranrock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin. Allons-y.
Let's go passer par un autre chemin, les gars. Ah, mais il y a quand même une... le chemin. Mais tu vas où, mon ref? Mais pourquoi tu me suis? Réveillio. Bah, moi, je rentre tout droit. Moi, j'en ai rien à foutre. Ah non! Ah non! Qu'est-ce que... Ok. Don't you worry, guys. I'm professional. I will just kill them all. Here. Petrificus Nautilus! Voilà, bon. Hop, et là, on récupère ça. Et regarde, et eux là-bas. Et eux là-bas, regardez. Ranrock veut qu'on trouve l'enfant, mais... Réveillons. On pourrait emmener tous les enfants qu'on trouve à Ranrock. On finira bien par tomber sur le bon. C'est un travail énorme. Peut-être qu'on devrait juste lui dire qu'on a cherché. S'il pose la question, ce serait plus facile en effet. Faisons comme ça. Petrificus Nautilus. Il y a quelqu'un ici. Oh le bâtard. Oh les gars, nous on est là, on rigole pas gros. Ah mais Espelamus, ok. Espelamus il est à droite et à gauche de mes pages. Bon, je viens de changer un peu mes pages et je trouve ça un peu... j'arrive à me... voilà, me... à faire des petits trucs. Pas dégueu, mais des petits trucs, tu vois. Des petits trucs. Ouais, des petits trucs. Tu ne peux pas empêcher la révolte de Ranrock. Mais si, je peux l'empêcher là-bas. Tu te bats comme un boursouf. Non, respecte-moi pour moi. Je ne m'arrêterai pas avant de t'abattre. Action. Incendio. Oh, je comprends pas, voler le carreau d'arbalète. Comment tu veux que je vole un carreau d'arbalète? Oula, oula. Désolé les gars. Vous êtes prêts les gars? Hop. Voilà. Et comment il va faire le professeur Fig? Vas-y, vas-y, comment il va faire? Vas-y, est-ce qu'il va se TP? Est-ce qu'il va se TP? Si se TP? Ah oh là 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 là. Si j'avais su que tu avais prévu de creuser... Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi l'enfant. Mais MDR, bro, genre vraiment. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrock est au courant pour les gardiens. Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood indique que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Allez, entrons dans ce château. Réveillio. Tu as un dernier message à faire passer à ta maman? Le mort. Expelliarmus. Comme un action. Un numéro. Protego. Ah ta mère! Putain, je voulais focus le nain devant moi, il voulait pas.
Attention. Je suis vraiment une merde. Bah ouais, putain. Le nain, il est devant moi, il claque même pas son sort, gros. Ça me pète les couilles. Ah ouais, bah c'est bon, j'ai envie de casser un truc. Bah non, en gros, le putain de nain, il est devant, en gros, il fait rien, gros. C'est bon. Putain, qu'est-ce que je dois lui faire, hein? Ah, j'arrive. Non mais c'est Animal Crossing ou quoi? Bien sûr, c'est Animal Crossing. Mais c'est une... Je vais vraiment caresser une boule de poil là. Ça va être terminé. Le noise en plus. Tiens, ça me coûtait cher ça. Ah, faut après, il faut acheter la bouffe, faut acheter tout. Hein. Ouais, ça reste. Tiens, je te donne une nuggets. Faut tout acheter après, mec. Hein. T'en as pour me 10 000. Hein. Minimum, hein, le 10 000 en gros. Hein. Minimum. Hein. On va t'appeler le voleur, gros. Hein. Alors, vas-y, il y a des coffres partout aussi. Hein. Je vais changer mes lunettes. C'est que cette merde. T'as pas, il y a aucune lunette stylée. En gros, je suis désolé, hein. Il y en a aucune. Hein. Alors qu'il y aurait juste un monocle, hein. Oh là là, j'aurais eu un monocle, mon perso il serait tellement stylé. Mode serre d'aigle full riche là, alors que je touche pour. Yes. Qu'est-ce que ça vise là? Rien du tout. J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre. Ok, il y en a plusieurs. Ok. Hop. Trois, c'est bon. Les symboles sur les murs ont-ils une signification? Elle va rentrer dans la cave de Batman. Non, ça veut dire qu'elle va donner des devoirs là. Des traces de Révélio. Ils ont un peu d'argent. Tu veux en pour faire des devoirs, gros. Non mais gros, c'est des devoirs pour débloquer des sorts, gros. C'est juste des missions pour débloquer des sorts, gros. C'est stylé de ouf. C'est sûrement ça. La réserve de magie à l'origine de la puissance de Ranrock. Il a l'air vide. S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là? Ranrock a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer. S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Où qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux. Avec quel galon, hein. Portrait. C'est vrai, il est où son portrait de Simon? J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Ah, il est là.
Professeur Rockwood, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... c'est impossible. Et monsieur, ils savent que vous êtes un gardien. Ranrock a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment ? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Dites-moi simplement où aller. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malin que Ranrock, ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi où aller. Je vous révélerai la voie, mais le professeur Fig doit partir. Comment ça, il doit partir, le professeur Fig, là? Sans déconner. Je me joindrais à vous si je le pouvais. Je vous attendrai dans la salle de garde. Sans déconner. Bon allez, là on va se concentrer sur les combats, parce que là les combats sont vraiment nuls à chier, je fais des combats de merde. Hein. Ok, rien d'intéressant, en vrai là encore Vincent. C'est encore des énigmes là, j'espère pas. Hein. Hippogriffe. Action. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Mais je peux le pousser ça? Attends, je peux le pousser avec ça? Action. Wingardium Leviosa. C'est un aimant, c'est ça? Je dois repositionner ce pilier pour sortir d'ici. Peut-être que la solution réside dans l'arche. Saut de folie. Quoi? Allez, accroche-toi, sale merde, va. Action. Wingardium Leviosa. Ah. Bro, j'ai que des bugs, bro. Eh, c'est bon, frère. C'est juste un pigeon, hein. Calmez. Action. Wingardium Leviosa. Mais vas-y, mets-toi dessus. Wingardium Leviosa.
Us. Il garde pas l'élan, gros. Il garde pas l'élan aussi. Il tire pas direct. Je tire pas direct, le salopard. Hein. Mais jamais je passe. Ah si. Oh là là. Ça, c'était pas un bug en fait. Mais bon, ça a quand même clippé une. Ça a quand même clippé la porte alors que c'était fermé de ce côté. Hein. Revelio. Ok, je peux pas. Ok. De magie ancienne, bam! Revelio! Revelio, Revelio! Qu'est-ce qu'il m'a donné comme devoir? Il m'a donné le poste. Ah donc. Bah, c'est bon, je pense que là je peux aller récolter mes trucs. Une garde! Ce pilier bloque la route. Carte. Je vais devoir le déplacer. Us! Us, us! J'ai essayé un truc. Bon, je savais que t'allais pas passer, mais. Attends, qu'est-ce que je peux mettre dans. Alors, ici. J'ai. Oh ouais, ça me saoulait, hop. Le coffre je le laisse, j'abandonne. Pour un équipement encore qui bat de tiers. Aïe 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 aïe. Flipendo. Confringo. Descendo. Flipendo. Confringo. Et putain, bah oui, je suis mort. Allez hop. Tout claqué sur le duel, j'en ai rien à foutre, gros. Potion de résistance, potion de force, les putains de plantes. Oh, allez, on me fait pas chier, gros. Je meurs pas sur un duel, moi. C'est quoi ça? Ouais, ça, ça a l'air pas mal. Ouais. On t'appelle la salope. Oh, j'ai full farm les potions. Les potions de force, j'en ai max. Gros, les potions de concentration, j'ai max presque. J'ai max, bro. To max, bro. Je crois que je dois aller à gauche ici. Mais comment? Let's go aller pour rien faire vite. Parce que tout le haut de la carte, il est tout débloqué quasiment. T'as tout débloqué mon ref.
Qu'est-ce qu'elle fait ma mère? Attends, elle m'appelle. Ok, on se mute pendant qu'il appelle sa mère. Revelio. Alors on a le pilier, donc le pilier se transforme là derrière normalement par bien un petit. Oh. Il y a un pilier ici, mais aucun rebord auquel m'accrocher. Ah voilà. Même en normal, gros, avec tout à améliorer les mobs. Ils sont quoi les mobs? Toucher ces marques permet de réajuster les arches. Genre même avec. Peut-être qu'il y a un moyen de continuer. Même de avec du côté stuff de et tout, genre en normal, les mobs étaient défaits. Quoi, ils sont beaucoup là, les araignées là, level 20, gros, je suis level 15. Bah, le fais pas le jeu en mode. Y a pas des petits loups random là. Ah si si, je crois que ça c'est des loups. Alors ok, ici qu'est-ce qu'on a? On a un truc là-bas dans notre dimension, elle est de type petit. Donc là on a un petit truc, à gauche on a rien d'autre. Rébellion. Petit truc. De l'autre côté qu'est-ce qu'on a? De l'autre côté voilà, on a ça. Qu'on peut mettre. Et avec ça. Bon, et si je fais ça. Tic-tac. Ok. Action. Wingardium Leviosa. Action. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Donc c'est comme ça. C'est vrai que Mojini n'a pas de limite, hein. Ah yes, mais j'aimerais bien, genre. Mais gros, comment ça? C'est pas comme ça, baisse ta mère, non? Putain, quel jeu de merde. Allez hop, c'est fait. Rébellion. Voilà, il me manque juste ça. Bombarda et transformation. Voilà, même il manque ça au gros. Là, j'aurais 50 milliards de chevaliers. Oh, moi, je suis préparé. Hein. Roupie, voilà. Elle est en train de die, gros, ta chaîne.
Non, mais ce matin, je l'ai promené, laisse tomber, je l'ai lâché, elle a couru et tout. Elle a fait une grande promenade. Elle a rempli toute la matinée. Et là, après, je pense que vers 4h, je vais la promener encore, 1h30. Vers 4h, il faut que j'appelle le dentiste. Et Starfly, ils ont intérêt à me répondre, je commence à péter un câble. Oui, il y a que... À Poudlard, il n'y a que des Asiatiques, comme on voit dire. Non, t'es raciste. Arrête au moment, Tom. Putain, mais gros, c'est bon! Déjà, j'ai pas voulu faire ça comme ça. Ah, yes, je vais péter un câble. Allez. Putain, j'appuie sur B! On pète les couilles, gros, j'appuie sur B, gros! C'est vraiment les pires fights, ça, gros. Genre, comment ça? Ah, oui, bah oui. Et je dois passer 3 fois sur le truc parce que voilà. J'ai pas de dégâts, mon gros. Meurs, chevalier de la porcine. Allez, c'est bon, peste ta mère, rouge de merde. Putain. Me faire baiser la gueule, hein, à chaque fois. Oh, t'as pas de dégâts en vrai dans le jeu, hein. Genre, c'est terrible. Ah, vraiment, t'as pas de dégâts. Même, je pense, dans Wulong Fallen Dynasty, t'auras plus de dégâts. Quel soulagement. Mec, il file des deux statues, frérot, genre. Revelio. Gros, je tape les statues. Gros, là, sur le boss, je tape les statues. Gros, laisse tomber, hein. Allo, Mura. Laisse tomber, gros.
Petit coffre là, on va le récupérer, petit coffre, on n'est pas des sauvages, hein. Un petit coffre qui ne sert à rien, qui n'a rien du tout comme stuff. J'ai ouvert un peu ma porte parce qu'il fait un peu chaud dans ma chalet. J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père. Voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora. Qu'avez-vous fait ? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Oh, ça se comprend. Ok, okidoki. Okidoki. Ok, bah donc c'était sûr qu'elle était devenir en mode mais la sauveuse de l'humanité, mais en vrai ça va devenir ça va backlash quoi. Backlash. Comment se dit en anglais? Parler à Percival. Ah, je peux plus. Ah. C'est... Vous êtes de retour. Ah, formidable, vous revoilà. Et en un seul morceau, qui plus est. Tiens, c'est bon, normalement, tu vas à l'Omora, c'est bon, la porte s'ouvre, gros. Je me prends rien, là. C'est bon de vous revoir. Ah, c'est le mini-jeu ? Le professeur ouais. Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. Le truc vert, en fait, tu vois, genre, tu le tournes jusqu'à comment ? Genre, t'as l'engrenage en bas à droite, qui est vert, qui tourne, et le truc rouge, c'est l'engrenage au milieu qui doit tourner. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer ? C'était quoi ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père ? C'était de la douleur. Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves. Ouais, attendez, j'étais... Voilà. Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend. Ah, t'as compris ? Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niamh Fitzgerald. Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien...
Un directeur exaspérant et orgueilleux? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. À chaque séance, on va y avoir ça. Ouais. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Let's go, perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités le meilleur, de Van Rock sorcier. Et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Banger, hein. Ah, j'aurais pas l'impression de sortir. Je sais, je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Ah, ça, il faut que t'as compris, vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. C'est vrai que tu joues un gameplay voleur en gros. Mais oui. Bien sûr que tu joues un gameplay voleur. Terminé les quêtes principales, je suis à 4 sur 14, hein, donc si 14 c'est la fin de sa dernière quête, on est loin quand même de la fin de l'histoire. Hein. Voyager était incroyable. Réveillon. Avant que j'invente la poudre de avec les braconniers. J'ai aussi des nouvelles d'eux. Peux-tu venir me voir? Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Lorsque vous aurez un moment, passez voir Chick dans la salle sur demande. Il pense que la reproduction des créatures pourrait vous intéresser. Alors, reproduction des créatures, let's go. Bah donc on va faire les deux quêtes là. On va faire d'abord Chic, allez vas-y. J'aime bien Chic, hein, il est pas mal, hein. Il fait marrer. Le petit Chic. Il m'a été demandé de vous enseigner le sortilège d'explosion. Ah, le sortilège d'explosion. Venez me voir après les cours quand vous aurez accompli les tâches que je vous ai confiées. Chier là! Arrête de rager, bro! Ça fait chier cette vieille! Cette vieille de quoi? Gros, c'est une vieille, normalement elle peut pas te voir, gros, elle voit rien, gros! C'est la lunette, gros, c'est pourquoi? Mais t'es un rageux, gros! Mais bien sûr, gros! Mais la vieille! C'est à cause d'un connard qui a peur de statue, gros! La vieille! Elle est aveugle, la vieille! Mais tout ça à cause d'un trisomique qui a perdu une statue, gros. Comment, genre, que... bon. Comment ça, elle est pas les pas de la viade là? Aïe aïe. Respecte les vieux, Mathieu. Un jour, tu seras comme ça. Tu seras bien un jour. Tout ça à cause de l'autre qui a perdu une statue, gros. Bonjour, Chick. Tu voulais me parler? Oui, Chick a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures. T'es dégueulasse, on aurait dit pardon là, putain. Je vais devoir censurer ça pour YouTube, sale chien, va. Oh. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de pair. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici, dans la salle, nous permettra de garantir la sécurité des petits. Je vois. Qu'est-ce que je dois faire ?
commencez par amener deux créatures dans la salle, un mâle et une femelle. Chick vous conseille de sauver des sombrales, car ils sont recherchés par les braconniers. Ce sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crins de queue sont prisés par les braconniers. J'ai déjà vu des sombrales, mais où puis-je en trouver dans les environs ? Chick a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard. Ensuite, vous devrez acheter un créasor pour l'enclos chez Tom. Oui, il faut acheter un créasor encore. Les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créasor, revenez voir Chick. Mec, c'est terrible, hein. Mec, y a que des créasors à acheter, gros. On va être pauvres en fait. Tarpin pauvre. Qu'il existe plus accueillant que Préolard. J'aurais pu. Bonjour, entrez. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Je vais pouvoir invoquer un enclos de reproduction dans la salle sur demande. Je devrais retourner voir Chick et les sombrales. Heureusement qu'on avait masse thunes, hein. Heureusement qu'on était pété de thunes, mon ref, hein. Pétage de thunes, les amis, hein. Ah. J'ai sauvé les sombrales et apporté le créasor pour l'enclos. Excellent. Maintenant, pour que les sombrales se reproduisent, mettez-les simplement dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Chick lorsque vous aurez terminé. D'accord. J'ai pas de sombrales dans le premier enclos. Où devrais-je invoquer leur enclos ? Ah là, c'est stylé, hein. Chick ne se lasse jamais des merveilles de la salle. Nous disposons maintenant d'un lieu idéal pour ses sombrales. Prévenez Chick une fois qu'il se sera... Ah mais c'est une femelle ça, ok. Une femelle est différente que les mâles, ok. Je la mets où là, enclos là, hein. Je suis très mal. Il y a un truc à droite ? Ah, ici, il a l'air pas mal, hein. Gestation. Ouais, mais mes refeux, je suis désolé, mais j'ai pas assez de pierre de lune en fait. Ah, si j'ai assez.
De la licorne. On peut avoir des licornes dans le jeu, incroyable. Modelo, nifleur, boursouf. Un pomme morte qui roule au gré de vent, constitue le joueur préféré des Diricos. L'erreur. Crabcorn et hippogriffe. J'ai étudié le livre de sort de Salazar Serpenta. Retrouve-moi dans la crypte. Je fais une découverte. Ça les amuse, ça ou pas? Action! Wingardium Leviosa! Action! Non! Ah, il est tombé! Ah, je voulais, bro. Ah, si, il a l'air de s'amuser avec la boule. Ah, la musique d'Enclos Sombra, elle est pas mal, hein. Une musique un peu violon, là. Un peu piano, je veux dire. Peux-tu me rappeler ce que je dois faire avec les sombrales, Chic? Mettez-les dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Chic lorsque vous aurez terminé. Ok, quand on a fini, ok, donc dans 30 minutes, il faudra que j'aille le revoir. Ça m'a pété les couilles. Je peux mettre encore un truc de pierre de lune là. Ouais, allez, je peux en mettre un. Plaisir. 3, c'est parfait. Non, c'est Hollow Knight. Je vais tomber déjà. Allez, récupère. J'ai bien utilisé l'enclos. Je rechecker vite fait pour voir si j'ai pas bien utilisé l'enclos. Mais qu'il est mort, son pied. Mais tu sais où est-ce qu'ils sont les statues, genre. Ouais, 26 minutes, là, je crois. Ah, mais il s'amuse pas avec la boule de. Un peu la quête de l'autre bouffon là pour récupérer les lunes là. Les demi-lunes? Ouais. Bah, dès que j'en vois une, oui, je la ramasse quoi. Pour améliorer l'eau morale là. Ouais. Bon, j'ai pas encore fait, genre. Mais dès que j'en vois une, je crois que je suis peut-être à 8 sur 9 là pour l'instant. Mais. Ouais, c'est quoi? C'est une quête principale, j'ai pas regardé. Non, c'est une quête secondaire. Bon. Oh, bah les couilles. Bah, sinon, pas bah les couilles, gros. Bon. Il va se démerder, le mec. Obtenir un crapaud violet géant avec le sable de capture. Oh là là, c'est ça pour bombardage? Ah oui! Oh, mais à la lune, c'est paniqué de principal. Ah oui, pour Alomora 2 et Alomora 3. Ah, c'est pour améliorer les sorts, quoi. Okay. Ah non, attends, c'était quoi? C'était. Quête. Un Dirico. Carte. Ah, mais c'est marqué sur la carte. Ok. Ok. Que... Mais je suis jamais allé là. T'as dit que dommage de me réveiller tôt, ça me dégoûte. Je vais casser un truc. En route pour de nouvelles aventures. Allez, on va découvrir ce que nous offre Ragnarok. Ça m'intrigue. Revelio. Expelliarmus. Confringo.
crescendo. Leviosa. Sa méfiance à l'égard des sorciers est déterminante. Je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il est entré dans mon pays il y a quelques mois. Je veillerai bien sur toi. Il est plus que ce sont des anciens camarades qui m'ont réalisé que c'est des scènes sorcières ou des mâles sorciers. Le nom de l'âme, c'est un homme qui est très sérieux. L'aide comme il est aussi utile pour nous tous, ce qui se et j'ai sauvé deux Jericho, c'est pas mal. Revelio. Action. Gardez le Leviosa. Si vous trouvez votre corps, sacrifiez-le de ma part. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous êtes vivant. Faites attention. Je vous en prie. Leviosa. Revelio. Putain, on est pas mal en vrai, hein. Confringo. Revelio. Confringo. Flipendo. Crescendo. Ah, il n'y a pas qu'à Poulard des milices. Mais non, il y en a partout. Genre, c'est pour ça, va dans les petits villages d'abord. Moi, je suis allé dans les petits villages, tu vois. Surtout dans les petits villages, il n'y en a aucun, tu vois. Comme ça, tu le fais et voilà, on basta, ou basta, bro. Tu connais, tu comprends, basta, bro. Basta, bro. Basta, bro. Tu comprends, donc. Aïe. Déjà, t'as compris que c'était espagnolo. Espagnolo. T'es peut-être moins con que ce que je pensais, gros. T'as hier soir, tu vois, j'ai téléchargé l'application Audible, tu vois, et ouais. Parce qu'il y avait les livres à 0€. Et j'ai bien compris pourquoi il était à 0€, le livre. J'ai bien compris, gros, pourquoi il était à 0€. Il pue sa mère. J'ai lu un chapitre, je me dis, allez, sa mère, la pute. Qu'est-ce qu'il me parle de verger, gros, des trucs comme ça, tu vois, allez, rien à foutre, gros. Donc là, t'as un crapaud géant, là. Et voilà, c'est un menteur. Voilà, c'est un menteur. T'as le mec qui lui dit que l'autre a fait confiance et qu'il te raconte tous ses secrets, gros. Bah ouais, mec. Bah toi, tu me fais confiance aussi, gros. Donc tu me racontes tous tes secrets. Tous mes devoirs sont finis. Oh non, c'est pas vrai. Professeur Owen ne me croira jamais. Là-bas, il y a un truc quand même. Revelio. La cabane abandonnée, les cabanes abandonnées servaient de refuge pour protéger les sorciers, des sorciers, des sorcières et des sorciers voyageurs des intempéries. Ok. Une petite hutte. Ah, j'ai pas récupéré ça, je vais récupérer vite fait. J'ai
J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Si vous avez un moment, un peu d'aide ne serait pas de refus. Ah mais le jeu est bugué de ouf en vrai. Et je me tape tous les vieux bugs en gros. Le nombre de bugs que je me tape gros. C'est bon non? J'arrive plus qu'un câble et je me tape des bugs et ça court sa mire. J'ai arrêté au momento gros, le mec qui dit rien à foutre. Confringo. Ah. Incendio. Mais je me tape tous les vieux bugs, bon ref. Tous les vieux bugs. Qu'est-ce que tu me veux toi là? Qu'est-ce que vous mijotez? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Des gobelins, voilà ce qu'il y a. Ceux de Ranrock, de bien méchantes créatures. Ils m'ont tendu une embuscade. Nous ne sommes plus en sécurité. J'ai besoin d'un petit quelque chose pour me protéger si je les croise à nouveau. Une potion Maxima devrait faire l'affaire. Ah, je suis un dealer de potions. Allez, tenez pour vous. Vous avez raison. Potion Maxima, allez, je vous en donne. Sûr ces temps-ci. Mieux vaut être prudent. Tenez, faites-en bon usage. Oh, c'est ce que je vais faire. Je vous le promets. Les hommes de Ranrock ne mourront pas. Tu m'as rien donné, là? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Des gobelins, voilà ce qu'il y a. Ceux de Ranrock, de bien méchantes créatures. Ils m'ont tendu une embuscade. Nous ne sommes plus en sécurité. J'ai besoin d'un petit quelque chose pour me protéger si je les... Si vous ne savez pas... Mais c'est de la merde! Il me donne rien, vraiment! Je lui donne une potion maximale, il me donne rien, même pas genre des points d'XP, là! Mais c'est quoi, ça, ce jeu de merde, là? Il doit te péter un câble, hein. Ah, les jeunes fairies. Fire. 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 Alors. Bon, tu vas l'acheter un Wild Orb alors, Mathieu, ou pas? J'hésite. Nous ignorons tant de choses sur les créatures. Je pense que ouais, je verrai vraiment du bon gameplay sa mère. Ouais. Tu vas la monstre, mon ref. Je regarderai tout ce trône. J'ai pas les talents à prendre avant de partir. J'aurai les nouveaux talents. Hein? Ouais, j'ai un nouveau talent. Ah. Ah, j'ai plus de souffle. Plutôt broken, non? Très bon travail. Confingo, ouais, on va prendre ça. Le cours est terminé. Je suppose. Que allez, je vais apprendre Bombarda. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Mon perso est tellement stylé. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Ouais, Bombarda. Une petite mise en garde. Bombarda. En vrai, je sais pas si elle est sortie cachée, mais en cas d'absolue nécessité, le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Parce qu'en vrai, il n'y a pas énormément de ça. Ne le lancez pas à tort et à travers. Bien sûr, professeur. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. Alors, pression calmée, mais un peu de some pressure, bro. Un mouvement régulier avec la baguette. N'oubliez pas, some pressure, le sortilège d'explosion est très sensible. Je pense que c'est la porte par laquelle on sortira. Un professeur, fait, ah oui, apprends ce sort. Attention à ta main, elle peut exploser. Ah ouais, j'ai l'impression. Passons à la pratique à présent. Allez-y, faites un essai sur les citrouilles. Alors, déjà tu me parles mieux, déjà. Oh, je suis si smart. Oh, je suis bousouf. Elles sont où tes citrouilles, mon ref? Ouais, là. Oh. Bombarda. Vos mouvements sont excellents. Ah, mes mouvements sont excellents. C'est le sort exactement comme cela à chaque fois. Ah, mais Bombarda, ça a l'air broken. Ouais.
Hop, là directement on va mettre le talent parce que j'ai 3 points de talent. Je suis level 9, à 2 points de talent j'ai. Ouais, yeah. Acquérir le talent. Bon, maintenant déclenche une explosion avec une large zone d'effet. Ah oui, ça va, bah, broken. Bientôt niveau 30. Voilà. Donc je pense pas que ma reproduction avec les... Ma reproduction. Voilà. Avec les sombras, là, elle est terminée. Donc on va continuer les quêtes. Dans l'ombre de la découverte. On va parler à Sébastien Lebrun. Dans ton playthrough, t'as aussi Sébastien ou pas, genre, mec? Moi, je pense que oui. Ouais, je l'ai. Ok. Tu sais qu'ils n'ont pas les mêmes protagonistes par maison, ouais. Genre, mais en final, les mêmes quêtes. Tu as à peu près les mêmes quêtes, mais... Plaisir de vous revoir. Tu vois pas... tu comprends ce que je veux dire, gros? J'essaye. Voilà. Je rentre dans la crypte. Moi, j'aime bien Sébastien. Moi aussi, mais à tout moment il peut virer du côté obscur. Hein. Ça se voit. Hein. Il m'a endoloris la gueule, gros. Tout le monde il part du côté obscur, je te le dis. Hein. Tu ne croiras jamais. Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire. Et non la craindre. Non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. Dans ta gueule ! C'était très dur, mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait, parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Oh. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Ominis. Il ne comprendrait pas. Ah, quand même si. On va le nous dire. Nous devons lui dire. C'est grâce à lui que nous avons trouvé le livre et il mérite de savoir ce que tu as découvert. Tu sais ce qu'il pense de la magie noire. Je te promets de lui parler dès que j'aurai trouvé la relique. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Putain, mais Sébastien, il commence à partir du côté obscur, gros, genre, ça se sent. Il vaut que ça reste entre nous. C'est pour son bien. Aïe, aïe, aïe. Je décide de ce qui est bon pour moi. Ominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. C'est quête avec les papillons. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de gagner. Bon, pillon de lumière ! Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein ? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Ominis. Je ferai mieux d'y aller. Il est où le dernier ? Ah bah Ominis comprend, Sassista, gros, il est dead. Hein. Je ne vais pas lâcher le morceau. Ok, ça s'est Ominis, fermé. Sébastien voulait bien faire. C'est gentil d'avoir dit à Sébastien de ne pas me cacher ça. Bien sûr. Mais partir à la recherche de cette relique est une très mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Qu'est-ce qui arrive aux parents? Je savais que ses parents étaient morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palot étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas. Mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Mais c'est exactement. Pas leur faute, mais c'est pas... C'est pour ça que je ça ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. Ah, je sais pas quoi, le livre de sorts redonne l'espoir à Sébastien, c'est vrai, c'est vrai. Mais en vrai, c'est pas le livre de sorts qui redonne l'espoir à Sébastien, c'est la relique qui est intitulée dans le livre. Aïe, aïe, aïe.
Le livre de sang m'inquiète, bah oui, parce qu'il commence à dire mon précieux, gros, il commence à partir dans des sombres bails, quoi. Les références du livre ont l'air prometteuses. Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. Je te le dirai, mon gros. C'est très important. T'as assez souffert, moi. On va se promener après. Il est déjà 15h41, gros, putain. Insane, hein. Donc là, on a fait ça. Quête. Grosse vache. T'es une grosse vache. Hein, un gros momie, toi. T'es cringe, mon ref, hein. Hein? T'es cringe, arrête de parler, gros. Réveillon. T'es cringe, hein. Parler comme ça à son chien, gros. Hein. Écoute, je vais te dire une chose. Qu'est-ce que tu vas me dire, vas-y. Vas-y. Enferme ta femme et ton chien dans un coffre pendant une heure, tu vois qui c'est qui te fait la fête en sorte. Ça n'a aucun rapport. Mais gros, t'es ravagé, mon gros. Hein. T'es ravagé, gros. Les chiens, c'est better que les humains, gros. Mais parce qu'ils ont deux IQ, gros, genre. Non. Gros, genre. Vas-y, tu les deux, tu verras qui. Non, mais c'est quoi le spell qu'il faut que j'utilise? Oh, ta logique, c'est quoi? C'est. Tu tues le fils de ta sœur, tu tues la portée de ton chien, tu verras qui est encore à côté de toi, gros, c'est ça? C'est la même logique que t'as fait, gros, hein. Ça n'a aucun rapport, gros, genre. C'est quoi le spell? Ravagé le petit Mathieu, hein, gros. Hein. Tu me déçois, hein. Arrête le momentum. Non, c'est pas ça. Ouais, je vais là. C'est quoi le spell à utiliser, là? Sale sur demande. L'exerceau? Ah, Mathieu qui est 2 IQ, gros. Aïe. On voit que t'es pas un sorcier de base. On voit que t'es pas un sorcier, gros. Ah non, moi je suis un bon, gros. Moi je suis un gobelin, gros. Mais même les gobelins, c'est plus intelligent que toi, gros. T'as vu les gobelins avec les deux épées là qui nous attaquent à un moment? Ah, il est trop stylé. Ils ont juste les yeux rouges, gros. Genre, voilà, ils sont juste là. Ils ont la rage, gros. Je n'ai rien. Après, y'a pas de soucis, gros. Si tu veux avoir la rage. Comme tu veux, mon ref. Il faut que ça tourne en fait, ça. J'ai ma poupée. Bon, allez, récupère le truc, putain, bordel de merde. Doit y avoir un spell qui. Action. Ah, je sais. Ah putain, il sait, les gars. Let's go. Il est où le spell? Il est où? Wingardium Leviosa, il est là. Non? Non. Pas ça? Tu veux essayer de faire quoi, gros? Vas-y, explique-moi, gros. Tu sais, la caisse où tu vas dans le tombeau, là, pour l'autre croque, là, pour lui récupérer le truc, là. Oh, je sais plus, moi, ça fait longtemps. Hein. Je vois le papillon, mais genre, il y a une sorte de mur. Ah mais normalement ça va tourner, je vois des sortes de flèches au sol. Voilà, même lui le dit, mais frérot, j'ai... Il doit bien avoir un spectre. En vrai, Mathieu, stream tes aventures, hein, genre comme pour les énigmes, c'est banger. Mathieu de IQ qui réfléchit en mode, putain les gars, je sais pas, ça doit tourner, mais je sais pas comment faire, putain. Je vais claquer tous mes sorts un par un, parce que là, ça me pète les couilles. J'ai utilisé tous les spells un par un, gros. Aïe. Non, j'ai pas utilisé Repulso. Ah, c'est Repulso. Oh là 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 là, putain. Oh, je le savais, gros. Ah, tu le savais, en fait. Je le savais, en fait, gros. Et là, bam, tu réutilises le spell, quand ça tu montes. Ah oh bah oui, bon, bien sûr, en fait. Oh, je suis un génie. Hein. 3 ans.
3 ans, gros. En attendant, gros, t'as pris 3 ans pour les coffres avec les yeux. Hein. Genre, vraiment, 2 secondes. Clac, parce clac. Que moi. moi, je pensais que ça allait. En fait, gros, tu vois. Je pensais que, tu vois, ça, genre, il y aurait un tuto pour les coffres, tu vois, genre, comme ça, tu vois. On me dit, je vais locker, tu vois, tranquille. Bah, après, en passant, je me suis dit, mais attends, c'est un œil, tu vois. C'est un œil, gros. J'étais un mordant invisible, il me bat pas, gros, le con. Et voilà, quoi. Ah, ben voilà! Les crapauds, on les met là, les crapauds. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va se passer de dingue, il m'en refait. Il y a une sorte de pont invisible. Ok. Elle est où la plateforme? Je suis pas mort. Ça me rappelle Lego Harry Potter. Lego Harry Potter? T'es ravagé, mon ref. Ah, mais attends, une fois que t'es descendu, en fait, t'es baisé. Ah là là, putain, mais la reproduction, ça va assez long, hein. Ça, on avait mis quoi, là, déjà, ici? On avait mis des boursoufs. Ouais, celui-là, on peut le récupérer. Tout va bien à présent. Soigner une créature. Ouais. On peut le récupérer, ça, on peut se faire des bébés hippogriffes, en vrai. Regarde, est-ce qu'on serait pas des petits bébés hippogriffes? Des petits bébés hippogriffes pour les revendre après, les gars. Est-ce qu'on serait pas... On le braconnier, on l'appelle. Gros, non, on appelle juste... Poudlard, c'est trop cher, gros, faut bien trouver des moyens. Non? Si, en vrai, un petit truc. Les gars, on le met où, le truc? Ah, c'était juste là, mais un pont squelette. C'est nul. C'est toi qui est nul, gros. Moi, je vais mettre là, exactement là. Oh là là, là, ça va être parfait, hein. Ici, là. On va y aller, toi. Ça m'a... Ta mère, c'est... On a de la comédie. Attends. On va juste finir cette quête. Hop. Attends, c'est que bon, changer le spell à chaque fois. Ah, le petit hippogriffe là, il est en train de cuver. Œuf de hippogriffe dans combien? Dans combien de temps? 30 minutes. Ok, c'est 30 minutes overall ou c'est 30 minutes parce que c'est une grosse créature? Oh, ah, mon hippogriffe il a pris un coup de sang, gros. Et quelle heure? Allez, dans 6 minutes je dois appeler. Dans 11 minutes je dois appeler. Putain de. Voilà quoi, tu m'as bien compris, gros. De manpower? Non, je dois appeler le dentiste là, gros. Parfois là, ça a jamais passé. Oui. Il va te dire qu'est-ce que tu me fais chier à ma place, là? Bah, gros, non, là, il termine à 18h, gros. Il va te dire va travailler. Et moi je vais dire bah moi j'étais déjà fait, j'étais travaillé chaud, je suis déjà je suis à la retraite là déjà. La retraite anticipée du genre France. Toute 2 centimes mais c'est pas grave. Hop. Ah. Il est où? Non. Non. Poste de potion moyen. Ah. Petit poste. Poste de potion moyen. De forme dette. On va se promener, ma gosse. Ça, comme ça, c'est banger. Hein. Mon écarteur, putain. Qu'est-ce que tu dis avec ton écarteur, gros? Ah, qu'est-ce que c'est les couilles.
2 sur 7. Ah oui, non, mais gros, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, qu'est-ce que tu veux? Spam les. Oh, ouh. J'ai plus de place après. J'ai plus rien, je suis pauvre. Revelio. Je sais pourquoi en fait il est à l'envers mon truc. Mes trucs c'est à l'envers. Hein. Je suis pas facile. Bon, l'engrais par contre, l'engrais j'en ai 27, faudrait que je l'utilise. Flemme. C'est vrai que je peux vendre les animaux que j'ai capturés en vrai. Hein. Bingo. Bah ouais, bingo. Bah, tu sais quoi, pour attendre les 11 minutes, on va juste se faire des petits trucs de Merlin, voilà, en dehors de carte du monde. Bon, sinon, genre, après Olar, il y avait une quête secondaire, je crois, oui, là. On se souvient de tout ici. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent après Olar. Ah, mais il y en a combien des mobs, là? Toi t'es un normal, tu galères, imagine en difficile, bon, tu fais one shot hein. Non je galère pas mais il y en a un milliard. Tu galères mon ref. Pas à moi bon. Bonjour, je peux faire quelque chose pour t'aider? Comment vas-tu? Je suis Sakarissa Tugwood. Et j'ai une proposition alléchante à te faire. Tugwood! Cela te surprendra peut-être d'apprendre que quelqu'un avec un statut aussi important que le mien soit dans le commerce. Mais je le fais dans le seul intérêt d'aider les plus démunis. C'est vraiment très gentil de ta part. Oh, et ce n'est pas tout. J'expérimente en ce moment même une nouvelle crème de beauté. Une crème qui débarrassera notre glorieuse école des affreuses pustules graisseuses qui affligent nos pauvres camarades pubères. Ça sent l'arnaque, ça. Mais je suis à court de mon ingrédient clé, le pu de bubobulbe. Mais les bubobulbes poussent dans la forêt interdite. Si seulement je pouvais payer quelqu'un pour en récupérer pour moi. Payer? C'est quoi, gros? Je si j'ai le temps, j'irai t'en chercher. Merveilleux. Je le ferai bien moi-même, mais je n'en ai pas envie. Ok, pas de j'ai juste besoin de quelques bubobulbes. Bubobulbes. Mais ils poussent dans la nature. Alors il faudra bien chercher. Nos camarades boutonneux comptent sur toi. Alors. Sakarissa, que devais-je faire pour t'aider? Récupérer des bubobulbes dans la forêt interdite pour ma nouvelle crème anti-boutons. Ok. Ouais, dans la forêt interdite, mon œuf. Ah ouais, c'est pour une forêt interdite, elle est quand même bien peuplée, hein, gros. Hein. Il y a quand même pas beaucoup de personnes sur la forêt interdite, quoi. Hein. Des gobelins, des hommes, voilà, des espèces. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Parce que dans les livres, gros, quand même, la forêt interdite, c'est. Gros, tu rentres dedans, même si t'es un sorcier, voilà, guéri. Hop, tu te fais baboucher par les centaures, tu te fais baboucher par tout le monde, hein. On se souvient, gros. Tu le sais, Mathieu, en plus, tu le sais, gros. En vrai, j'ai peut-être économisé 5000 balles pour acheter le skin du balai à 5000 balles. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. C'est vrai que là, en vrai, il faut que je récupère aussi les sources de magie ancienne. Parce que c'est pas négligeable les stacks de magie ancienne. Ok, je crois que j'ai compris. Mais non, tu as compris, mon ref? C'est big game. Ah, mais gros, si je trouve ça, c'est compliqué. Gros, il y a une énigme là, hier. Elle était tellement dure, gros. Que j'ai pas réussi à le faire. Hein. Alors? Pas tellement dur, bon il était tard mais c'est pas une excuse mon ref.
Revelio. Il n'y a pas derrière, s'il y en a une là. Ça n'a pas été trop dur. Tu as bien ton premier ton chien là, Mathieu. Tu restes en vocal ou pas? Ouais, je reste. Aïe. Comme ça, à défaut de sortir chez moi, j'entendrai du bruit dehors. Ok, je crois que j'ai compris. Bon, le balai, ça va, ou en vrai. Heureusement que t'as le balai, j'ai envie de dire. Ah, mais par contre, la dernière, je comprends après. Je suis un pilote, hein. C'est l'endroit que Sakarissa a indiqué. Mais où sont les bubobulbes? Revelio. Il est à l'intérieur là, l'ogre? Moi je le lave, hein, s'il y a encore un ogre à l'intérieur. C'est bien ma chance, un troll. Arrête au momentum. Protego. Stupéfix. Lassus. Bombarda. Expelliarmus. Stupéfix. Action. Stupéfix. Insecto. Protego. Confringo. Stupéfix. Confringo. Stupéfix. Oui, alors là, tu vas m'expliquer comment j'ai pas loupé ça. Repulso, incendio. Stupéfix. Stupéfix. Expelliarmus. Action. Repulso. Incendio. Ah, je... J'ai pris ma potion Maxima, petite magie ancienne, je one shot le troll. Hier gros. Revelio. Oh, quelle puanteur. Par chance, il n'en reste que 4. Ah oui, ça sent bien l'arnaque, hein. Il n'y avait pas un trou quelque part sur le mur, j'ai vu aussi là. Ah mais c'est pas là, c'est pas un trou, c'est là. Oh. Ah si, c'est un trou, hein. Arrête au moment sol. Lassus. Bah elle est dead, hein. Elle est pas à lui. Revelio. Mais Revelio, genre augmenter la portée de Revelio, c'est vraiment le truc le plus broken qu'il faut faire. Hein. Oh, je crois que j'ai compris, mais ça va être chaud, ça va être. Ça va vraiment être. Quitter là. Ça devrait suffire. Je vais retourner voir Sakarissa. Oh shit! Protego. Je peux pas sauter, genre, pendant que le truc descend, genre. Action. Incendio. Bombarda. Expelliarmus. Protego. Stupéfix. Arrête au momentum. Il est où? Bombarda.
Putain, mais pourquoi ça marche pas, genre, c'est... Ça commence à me briser les couilles, cette histoire. Aïe, 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 Mathieu qui est en train de pleurer, pleurer. Non, mais j'ai compris, mais genre... Arrête sur le tome, tu prends le truc, tu vas le mettre là. Mais genre frérot, mais genre pourquoi te... Non mais c'est bon gros, let's go quitter ce putain de jeu gros. Promener le chien. Sauvegarder. Oh quel rageux ce Mathieu gros. Non non mais c'est bon, d'un moment gros genre... Mec le personnage gros, même moi je grimpe le mur en fait. Non. Press X to dab bro. Mais en plus je suis sûr que c'est comme ça. C'est juste qu'il faut être pixel gros. C'est... Vas-y, c'est... Envoie une petite photo goûtée gros pour... Trop tard, je quitte le jeu. Aïe 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 aïe. Quand tu reviendras dessus, quoi. Tu auras une petite photo pour que je te dise quoi faire, parce que... Non mais c'est bon, j'ai compris, c'est juste que faut les pixels, gros. C'est une mauvaise méthode, gros. J'espère que ce n'était pas trop difficile. Quoi ? Je peux les voir. Je pense que c'est une mauvaise méthode. Bien sûr. C'était vraiment un plaisir. Merci. Tiens, ton paiement. C'est là où il faut utiliser des potions. Je vais pouvoir perfectionner mes potions pour protéger ses courants, l'autre, là, camarades. Reste au momentum, mes couilles. Hein. Après tout ce que tu as fait, nos camarades boutonneux et moi te devons vraiment une fière chandelle. Un jour, le vas-y, je vais essayer de rappeler... Rappeler le dentiste, là, pour les dentages. Donc, je me mute. Je mets en mode pause, là. Non, c'est pas où. Puis la semaine dernière, j'essaie d'appeler, gros. Je vais appeler, voilà, 17h, mais bon, ça peut être cool, en vrai. On va rappeler. Bon, non. Mais je rappelle, là, de toute façon, ils sont ouverts jusqu'à 18h, là. Donc, je les spam, hein. Ça me brise les couilles. Oh! Arrête là! Allô? Ouais. Super. Est-ce que je débloque à l'OMR 2 là? Bonjour Monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise? À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Je me sens déjà plus léger maintenant que ces statues ne sont plus là. Bien, je vous avais promis de vous enseigner une meilleure version d'Alohomora si vous m'apportiez d'autres lunes. Grâce à cela, vous serez en mesure d'ouvrir des serrures encore plus récalcitrantes. Cela dit, nous ne savons toujours pas qui est derrière ces statues. Il en reste encore une multitude qui n'attend que de me faire souffrir. Si vous m'apportez d'autres lunes, je vous enseignerai la forme d'Alohomora la plus puissante qui existe dans le monde des sorciers. Du moins, à ma connaissance. Yeah, je débloque à l'Omer 2. Continuez à chercher ces lunes, hein ? Je serai plus tranquille une fois que nous saurons qui se cache derrière. Il faut que j'apporte 13 lunes de... Bon, donc, on va faire ça. Et après ça. Et après la quête principale. Mes cartes du monde, non? Ça va péter les couilles là. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Arrête tout de suite. Oh,
Gryffindor. Reviens ici. Gryffindor. Tu vas le regretter. Flipendo. Descendo. Tu aimes bien. Hein? Protego. Voilà donc. Stupéfix. Tu maîtrises. Flipendo. Stupéfix. Non. Flipendo. Ça ne va pas vous plaire. Descendo. Confringo. Gryffindor. Non. Oh, c'est tu l'un des nôtres. Flipendo, Confringo. Tu devrais peut-être toucher. Flipendo. Confringo. Flipendo. Tu vas. Descendo. Flipendo. Allez, descendo. Confringo. Eh bien, tu es là. Moi, ça m'a pété les couilles. Hein. C'est bon, tu m'as pété les, tout m'a pété les couilles. Genre, c'est pas de dégâts. La grotte doit se trouver quelque part dans ce labyrinthe. Je me demande ce qu'il y a d'être ici. Confringo. Gryffindo. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Glacius. Arresto Momentum. Repulso. Incendio. Expelliarmus. Protego. Glacius. Bombarda. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Gryffindo. Revelio. Ok, c'est pas mal. On est pas mal. Confringo. Gryffindo. Arresto Momentum. Bombarda. Glacius. Expelliarmus. Incendio. Arresto Momentum. Bombarda. Revelio.
Ça pourrait bien être la grotte d'Acromantule dont parlait Monsieur Roulet. Ouais, dégueulasse celle-là. Oh là 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 là, mais... Confringo. Kipindo. Classic. Arresto momentum. Bombarda. Confringo. Stupéfice. Mais oui. C'est bon? Confringo. Revelio. Saleté de monstre. Je dois rapporter cet héritage à Monsieur Hadley. Demande qui y vit. On va lui donner son héritage et après, genre, je rappellerai la. Vous portez plutôt. Monsieur Adler, 24, je rappellerai la montre à gousset ancienne sur le corps de Milo. Par la barbe de Merlin, comment avez-vous? En fait, je ne veux pas savoir. Je veux oublier cette acromantule à tout jamais. Merci. Merci infiniment. Je suis content que la fille de Milo ait quelque chose pour se souvenir de lui. Moi de même. Même s'il avait des idées farfelues, Milo était un ami cher. Et il va me manquer. S'il vous plaît, acceptez cette récompense. Que proposez-vous à la vente ? Milo peut reposer en paix maintenant que son souhait s'est réalisé et que sa fille possède un souvenir de lui. Un réapprovisionnement est toujours bénéfique. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Merci pour votre visite. Revenez vite. Ouais, les gars, je vais rappeler le dentiste. Je mets en pause encore.